Bonjour à tous, bienvenue pour ce samedi avec cette nouvelle séance. C'est pas une séance, c'est un défi pro. C'est le premier défi pro et j'ai la chance et j'ai l'immense honneur de pouvoir accueillir et recevoir Cédric Mionnet, ancien grand professionnel du CSSA et d'autres clubs. Il est là pour vous réaliser pour vous tous les jeunes licenciés de l'OCNA trois défis qui seront, on va dire, faciles, moyens et difficiles. N'oubliez pas, ça sera un concours également. Cédric Mionnet va se présenter juste derrière, mais même si vous le connaissez déjà, il sera là pour vous faire gagner ses chaussures. Ses chaussures avec lesquelles il a joué contre le Paris Saint-Germain et marqué ce superbe but. Il va vous les dédicacer. Donc le petit jeu concours, les modalités, c'est simplement réaliser les mêmes défis que Cédric Mionnet, m'envoyer votre vidéo et ensuite il y aura un tirage au sort pour savoir qui a gagné cette belle récompense. Je vous laisse tout de suite. Le but de la vidéo, c'est les anciens pros ou les pros. C'est parti tout de suite. Il va falloir à tout prix faire un bon résultat ce soir, surtout qu'en ce moment on a du mal à enchaîner de victoires à domicile. Donc déjà d'une, de faire plaisir à notre public, puis derrière se faire plaisir. En plus on a la chance de jouer contre une équipe de Bordeaux, donc beaucoup plus forte que nous. On aime ça. Merci Cédric d'être avec nous pour tous les licenciés de l'OCNA et de réaliser ce défi confinement. Merci beaucoup Cédric. Pas de problème, ça fait un grand plaisir, donc c'est temps difficile. Donc je me présente, Cédric Mionnet, ancien joueur professionnel. J'ai été contacté par mon éducateur Cédric Guillaumin pour lancer un petit défi à tous les jeunes licenciés. Donc un moyen, un dur et un facile. Mais vous allez voir, ça va être sympa. Et je vous ai ramené une heure. Bon, vous allez tous rigoler, mais bon, ça sera vraiment pour un jeune. Parce que je chausse du 37. Donc, c'est mes chaussures où je jouais en Ligue 1 avec. Donc voilà, ça sera pour celui qui aura réussi ce fameux défi. Donc, à vous de jouer maintenant.
Attention Lyonnais, il dribble encore, et c'est le but. Et c'est le but de ce brut lyonnais. C'est une démonstration de ce nom. C'est tellement dur pour le PSG. Mais quelle démonstration. Regardez ce but de Cédric Lyonnais. C'est tout le symbole de cette désinvolture et de ce talent des joueurs d'Alex Dupont. Il évite le gardien, il évite le capitaine, tout tranquillement. Et dans le but. Alors, premier défi, intérieur, extérieur. 5 intérieurs, 5 extérieurs, donc souplesse de la hanche, ça paraît plus ou moins facile, mais vous allez voir, pour certains, ça va être compliqué. À vous de jouer. Et 6, voilà. Bon, même si ça n'a pas été le top, vous avez vu, je suis un peu galéré, mais le tout c'est de se rattraper, donc... Oui. Défi réussi. Deuxième défi. Donc là, ça va être pied-tête. Il y a 5 pieds, 5 têtes à réaliser. On est parti ? Et défi validé. Très validé, félicitations. Troisième défi. Là, pareil, ça paraît simple, mais beaucoup de maîtrise technique. On appelle ça l'horloge. Donc, pied, genou, épaule, tête, de nouveau épaule, genou, et de l'autre côté. Ok ? On est parti ? Allez ! Réussi. Et là, pour être le plus honnête possible et le plus franc possible, je pourrais en témoigner, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les défis. Cédric, combien d'essais t'a fallu pour réaliser ces trois thèmes ? Bon, c'est peut-être la réussite, mais à chaque fois c'était un essai. Donc, Sébastien, il va falloir t'entraîner. Donc, si vous avez réussi les trois défis, à vous d'envoyer toutes les vidéos à Cédric ou sur le site internet au CNA. Donc, je vais vous dédicacer mes chaussures, mais je le rappelle, désolé messieurs, pour les personnes ou les filles qui font plus de 37, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, c'est avec vraiment un plaisir de vous les filer. Et puis, bah, écoutez, bonne réalisation à vous, et puis à très vite.